tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais bien. Donc, on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies, tout ce que, voilà, ce que je peux vous dire. Ouh, j'ai perdu mes cartes. Elles sont tombées. Donc, on va voir ce que je peux vous faire passer comme message. Donc, prenez ce qui vous parle. Donc là, pour moi, on parle d'une situation où on va, comment dire, par rapport à, vous savez, tout ce qui est négatif, les mauvaises énergies, voyez, tout ce qui est mauvais, voyez, enfin, ce qu'on peut avoir autour de soi, tout ce qui est la négativité, que ça soit... comment dire, tous les attachements, que ça soit amis, que ça soit des amis, que ça soit sentimental, que ça soit la famille, des choses des choses qui progressent, mais on parle de d'un côté toxique, qui fatigue, des choses plutôt négatives, vous voyez. C'est pas, on ne parle pas d'une progression dans le côté positif, vous voyez. Bon. Et c'est comme si on allait... régler cette situation. Il va y avoir aussi... pour moi, on va régler une situation pour tourner une page et pouvoir avancer, enfin, sur... on parle d'un côté tout ce qui est... papier, administratif, ça peut être dans le travail, ça peut être... dans la famille. On parle de ça. Vous voyez? On parle vraiment de ça. Comme si on allait régler quelque chose pour pouvoir retrouver une meilleure santé, une meilleure énergie. Vous voyez? Pouvoir retrouver une énergie positive, parce que pour moi il y a des choses qui vont pas. Ouais. Et on parle même que du coup vous allez retrouver une meilleure énergie, la santé va s'améliorer, il y a des choses mauvaises. Vous voyez? Je sais pas. En plus, c'est comme si ce que vous alliez faire, alors ou c'est vous qui allez le faire, ou c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est comme si on parle d'un effet surprise, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Il y a ce truc... Je vois quelqu'un qui règle une situation, hein, des papiers, ça peut être dans la famille, ça peut être... au niveau d'une relation sentimentale, il y a quelque chose qui est mauvais, où il y a vraiment une mauvaise énergie. Et moi, pour moi, on règle la situation, vous voyez. On parle de surprise, d'un bonheur par rapport à tout ça. C'est comme si vous alliez vraiment, quelqu'un qui allait vraiment se sentir apaisé, soulagé. Mais on parle aussi que tout cela ne va pas faire plaisir à tout le monde. Hein. En tous les cas, vous allez vous sentir mieux. En tout cas, je vois quelqu'un qui va se sentir mieux.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle de personnes qui sont constamment bloquées, on est retardé. On se sent un peu submergé, comme si vous aviez l'eau qui vous montait au-dessus de la tête. Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez dépassé, bloqué. Ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retarde. Ça peut être dans le travail aussi, mais... Après, ça peut être vous aussi hein, qui retardez quelqu'un, qui bloquez quelqu'un. Mais il y a une situation où on dit... On retarde quelqu'un, on bloque quelqu'un. Après, ça peut être aussi tout seul. Hein. Mais il y a quelqu'un pour moi, vous voyez, qui vous bloque. Qui bloque quelqu'un, qui a ce côté aussi supériorité. Quelqu'un qui pense avoir une influence, une supériorité par rapport à quelqu'un. On parle aussi dans le travail que vous êtes toujours retardé. Vous voyez, dans votre travail, toujours des retards, ça n'avance pas. Des blocages aussi, vous voyez, au niveau du travail. Il y a des choses aussi, il y a beaucoup de ruses hein, au niveau professionnel. On parle qu'on se méfie un peu de tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de malignité voilà, autour de vous, hein, dans le travail. On parle d'argent, de retard, on est bloqué dans le travail. Il y a une histoire d'argent aussi. De ruse, hein, professionnelle. Hein. Ouais, on parle de mauvaises surprises. Toujours, on a des mauvaises surprises. On vous retarde, on vous bloque professionnellement. On parle que du coup, bah, vous n'avez plus confiance, donc vous vous méfiez. Vous avez développé quelque chose au niveau de la méfiance, des ruses, vous aussi, parce que, ben voilà, vous savez, des fois, avec l'expérience de la vie. Mais vous êtes des personnes, ouais, vous méfiez, vous êtes rusé, mais vous n'avez pas, on parle de personnes qui vont pas faire du mal, mais une méfiance, on parle de personnes qui sont, vous avez ce côté loyal, vous voyez, la loyauté, des personnes fidèles, autant dans le travail que dans le privé. Vous cherchez juste la paix, vous, la tranquillité. Voilà. Mais toujours, on vous retarde. On vous cherche des poux, on vous retarde. Voilà, des choses comme ça. Alors que vous voulez juste la paix. La paix, la tranquillité. Je sais pas, c'est comme si toujours, on vous cherchait des poux. Voilà. On parle que ça... Il y a quelque chose, d'ailleurs, ça contrarie. Alors, on est très, très contrarié par tout ça. On parle aussi que... de chance pour vous. Malgré tout ça, on parle de chance. Malgré ces retards, malgré ces blocages. Malgré les ruses, malgré le machin. On parle de chance, de tout de chance pour vous. Il y a... Il y a quelque chose que vous devez penser ou alors vous allez y penser. Il y a quelque chose que vous allez avoir en tête. Ça peut être professionnel. Quelque chose qui est retardé. Quelque chose que vous devez penser ou que vous allez penser. Quelque chose que vous allez vouloir régler.
régler quelque chose au niveau professionnel où on vous retarde. Il y a des papiers, des choses comme ça en lien avec de l'argent. Ça peut être une promotion, une évolution de carrière. Ça peut être aussi un contrat conclu avec quelqu'un dans le travail. Ça peut être aussi un changement, que vous voulez changer de travail et que ben, vous êtes bloqué. C'est comme si ça vous tracassait, comme si vous étiez, vous saviez pas trop où vous allez, comme si là vous aviez un méga coup de chance qui arrivait pour évoluer. Mais qu'il y avait quelque chose à régler. Vous voyez? Ouais, une situation à régler pour pouvoir après aller vers une réussite professionnelle ou sentimentale. Mais on parle de ça. Il y a des choses à régler. Il y a ce truc-là d'un coup de chance de toute façon pour vous. Mais il y a quelque chose à régler. Vous voyez, des papiers, des choses comme ça. On parle de, ouais, qu'il y a quelque chose vraiment à régler. On parle que vous avez une décision à prendre. Une décision, parce que vous savez que c'est une chance pour vous d'aller vers un triomphe, une réussite. C'est comme si il y avait ce problème que vous alliez régler et que, comment dire, comme si... On cherchait des informations, comme si on cherchait à savoir, vous voyez, on se renseigne, on va se renseigner. Comme si vous aviez des choses allaient être dévoilées, vous voyez, et une décision. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être autre chose, mais on parle de ça, vous voyez, bon. On parle aussi que la décision que vous allez prendre, après avoir vous êtes vraiment renseigné, étudié, des choses comme ça, on parle que la décision qui va être prise va arriver assez comme si c'était quelque chose d'imprévu. Alors ça peut être une décision... Voilà, vous allez chercher, chercher, et puis d'un coup, paf, la nouvelle va tomber, quelqu'un qui s'y attend pas. Mais on parle de ça. Et on parle de bonheur, on parle que tout ce qu'on va dire, toutes les décisions qu'on va prendre en fait, on parle de bonheur, vous voyez, d'un bonheur dans nos prises de décision. Mais, je vous en parlais au début, c'est comme si... la décision ou les décisions que vous allez prendre, pour quelqu'un, ça va être le bonheur. Hein? Bon. Mais pas pour tout le monde. Parce que on parle que les décisions ou la décision que vous allez prendre, c'est dû. Il y a des choses, si vous voulez, ça peut être. Il y a beaucoup de négativité. C'est sur vous, hein, au niveau de tout ce qui est cœur, vous voyez. Il y a quelque chose qui est mauvais et ça progresse. Donc moi, c'est comme si vous alliez prendre en fait les décisions qui sont bonnes pour vous, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde, d'accord? On parle que tellement que, bah, voilà, c'est négatif. Je vois, on parle qu'il va avoir, ça, il va avoir une situation comme si, parle que c'est tellement négatif au niveau des énergies, de la santé, on réfléchit, on va réfléchir beaucoup, beaucoup à tout ça, à une situation, hein, au professionnel, les attachements, ça peut être la famille, c'est pas ce que vous voulez, mais. On réfléchit. Hein. On réfléchit beaucoup.
Donc on parle aussi, je vous parlais, on réfléchit, on s'appelle vous, vous réfléchissez si vous êtes jeune. Après, ça peut être une situation où on réfléchit par rapport à de la jeunesse. Des personnes ont une progression, des choses comme ça, une ambition, voilà, au niveau de être ambitieux de manière générale. Après, c'est vrai que je vous parlais que d'une situation où on se sent retardé, on se sent bloqué. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui est jeune au niveau professionnel, qui vous bloque, qui vous retarde. Ça peut être vous aussi. Hein. Mais on parle de ça, de retard, de blocage, au niveau de l'argent. Il y a une forme comme si quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité des choses. On parle d'une forme de quelqu'un qui est naïf. On parle du travail. Hein. On parle du travail, non? On parle des relations, tout ça. Bah, relations sociales. On parle de relations sociales. Il peut y avoir une certaine naïveté aussi par rapport à des relations sociales que vous pouvez avoir. Parle de réussite mais d'une forme de naïveté par rapport à des personnes. On parle d'élévation, de réussite mais de naïveté qu'on peut avoir. On parle de personnes en lien avec du public. Peut-être que vous voyez pas certaines choses. J'ai l'impression on parle de par rapport à tout ça de contrariété. Donc ça peut être vous de que vous allez apprendre quelque chose qui va vous contrarier. Après ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais bon, on parle de ça. On est naïf, voilà, on voit pas le mal et on va être contrarié par rapport à des personnes. Il y a aussi quelque chose en lien, je vous dis, avec tout ce qui est social, le travail, tout ça. Je vois, c'est comme si il allait avoir déjà une forme de quelque chose qui va s'arrêter en lien avec de la jeunesse, avec de la naïveté. De l'argent aussi. Ouais, je vois vraiment qu'il y a des choix. Il y a aussi un lien, je vous dis pareil, avec l'argent, le travail, des choses comme ça. Il y a des personnes, je pense que ça doit être réciproque, mais il y a... Je vois des contrariétés. Je vois des liens qui s'arrêtent. C'est comme si quelqu'un qui, je sais pas, de la jeunesse, le travail, les réseaux sociaux, tout ce qui est social, le travail, le machin, c'est... Je vois des mauvaises pensées que vous pouvez avoir, mais qu'on peut avoir aussi sur vous. Ça peut être aussi des personnes qui essayent de vous manipuler. Et puis, afin aussi de vous trahir. Et vous n'aimez pas ça. Vous voyez ? Voilà. On parle de nouvelles écrites en lien, je vous dis. Ça peut être dans le travail, ça peut être des liens sur des réseaux, des machins. Des courriers aussi. Je vois des choses qui s'arrêtent. On parle d'une femme. D'une femme plutôt chanceuse. Vraiment de la chance qui arrive dans sa vie. Ouais, vraiment de la chance.
Mais elle est contrariée par rapport à cette chance. Ça paraît fou, hein? Mais je vous jure, elle est contrariée. Ces femmes-là sont contrariées par des écrits. Ça peut être des écrits, je parlais dans le travail, ça, tout ce qui est social, machin. Hein, je vois des lignes qui s'arrêtent. Ça va très contrarier. Donc, on parle de nouvelles par rapport à ces femmes qui vont arriver. On parle de nouvelles pour des femmes qui sont contrariées, hein, par des échanges, des écrits, le travail, les réseaux sociaux. On pense pas trop bien de certaines personnes, hein, mais je pense que aussi de vous. Je vous le dis, parce que bon, vous savez, c'est comme ça la vie, hein. Il y a aussi quelque chose qui vous contrarie au niveau de d'attachement que vous pouvez avoir en lien au travail, les gens avec qui vous travaillez ou sur les réseaux. Il peut y avoir un côté naïf chez vous aussi par rapport au travail, des liens, des machins. On parle que ça vous contrarie, il y a des choses qui vous contrarient. Je vous dis, on parle qu'il y a des nouvelles. C'est soit des femmes qui vont donner des nouvelles à quelqu'un, soit quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. En lien avec du cœur. Ça peut être de la famille, un ami, des pensées de quelqu'un que vous aimez, mais des nouvelles. Ça peut être aussi une visite, hein. On parle de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. Et on parle d'une décision suite à ces nouvelles. Je pense vraiment une décision frappante. Je vois quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, à moins que ce soit vous, mais des nouvelles entre vous et une personne. Il va y avoir de la communication, ça va parler. C'est quelqu'un, une fois que la décision elle va être prise, vous ne reviendrez pas dessus, hein, lui ou elle. Il y a vraiment quelque chose d'assez tranchant. Parle d'imprévu, hein, en plus. Il y a quelqu'un qui va tomber un peu de haut, qui s'y attend pas. Au niveau du cœur, eh ben, c'est comme si on ne savait pas trop où on allait. On est paumé, vraiment une incertitude, un brouillard, hein, sentimental. On a des rêves, on a envie de réaliser beaucoup de choses, que ça soit sentimental ou autre. On parle aussi de qu'on passe par des épreuves, beaucoup de peine dans le cœur, tristesse, ça progresse en plus. On parle on va faire un deuil aussi. Je crois qu'on prend des décisions. Je vois quelqu'un qui prend des décisions quand même marre de vivre tout ça. Toutes ces épreuves, toute cette tristesse. Quelqu'un qui est paumé dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui d'ailleurs va faire le deuil, si vous voulez, sur tout ça. Et on réfléchit d'ailleurs à sa vie, à tout. On réfléchit beaucoup. On a envie de tourner une page. D'accord? On parle aussi de quelqu'un, je vous parlais de quelqu'un qui retardé, toujours bloqué. Il y a une conversation qui arrive. On va parler à quelqu'un d'une situation, il y avait de l'argent, on va vouloir régler quelque chose. Hein. Donc ça peut être le travail, ça peut être dans le privé, mais il y a une conversation pour régler une situation.
Ça peut être quelqu'un qui en a marre, qui va ouvrir les yeux. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est jeune, hein. Mais voilà, il y a une situation qui se règle, une conversation, ça va parler, une fois que ça va se débloquer, ben, je vois qu'il y a quelqu'un qui va faire beaucoup de commérages, hein. Ça va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça va parler, parler. On parle aussi que autour de vous, que ça soit, on parle que de autour de vous, je sais pas, c'est comme si fallait vous méfier à de certaines personnes qui pourraient vous parler. Par rapport à de l'argent, voilà. Des personnes autour de vous, faites attention. Il va y avoir aussi une conversation et ça va jacasser, ça va vous stresser, ça va vous stresser, vous allez avoir peur aussi de perdre de l'argent. Mais on parle de grosses transactions, hein. Quelque chose de... C'est pas 20 euros là. Ça va vous stresser de perdre de l'argent. Pareil, il y a quelque chose, il y a quelque chose, un courrier. Il y a quelque chose qui va arriver de l'argent. On attend un courrier, quelque chose d'officiel, en lien avec de l'argent ou une grosse transaction. Ça peut être. Ouais, ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à une vente, un achat, des papiers aussi à signer, des contrariétés qui arrivent concernant tout cela. Ça va vous contrarier. Pour moi, en plus. Concernant la conversation que vous allez avoir, ça va être lent. Vous voyez? Ça va être très, très lent. Vous allez parler avec quelqu'un, il y a quelque chose, vous allez devoir. Quelque chose qui va vous angoisser, vous stresser. Il y a quelque chose à régler. Vous voyez? De l'argent, grosse transaction. Un courrier important où il va falloir discuter, signer, régler. Et ça va traîner de la lenteur. Et c'est comme si tout ça, ça allait vous perturber. Vous allez être pas bien. Vous allez batailler quelqu'un. Vous allez, vous, une personne, et ça va batailler. Vous, on parle que vous avez vraiment de la chance. Mais pareil, il y a quelque chose dans votre vie qui vous contrarie. Quelque chose, je ne sais pas, qui est lent, malgré la chance que vous avez. Il y a quelque chose, vous ne savez pas où vous allez. Comme si vous étiez dans une incertitude. C'est lent, vous êtes tourmenté. Ça peut être au niveau sexuel, aussi sentimental, mais on est bataille, on tourmente, on est tourmenté, on n'est pas bien. Je vois quelque chose où vous allez batailler. Vous ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Vous allez avoir une conversation, ça va vous stresser, ça va être très lent avec un homme ou une femme. Il y a un lien, un attachement avec cette personne. On parle d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ou il y a quelque chose qui s'est arrêté. On parle de coupure, vous voyez. On est tourmenté. Communication, beaucoup de négativité dans les échanges. L'argent, le stress. Grosse transaction à régler.
ça va, on bataille par rapport à tout ça. Quelque chose qui s'arrête, qui s'est arrêté. D'accord. Mais on parle de personnes qui... Il y a une forme de... quelqu'un qui... On parle de personnes qui sont vraiment dans une illusion face à toute cette situation. Comme si on ne voulait pas réellement voir une situation, vous voyez. On parle aussi de personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui sentent énormément les choses. On parle de personnes aussi qui sont beaucoup sur l'émotion. Donc tout ça, ça ne doit pas faire du bien. Vous voyez tout ce qu'on dit. Je vois quelque chose qui s'arrête. Donc ça, là, c'est... On parle... Alors... Ou c'est un ami à vous qui est tourmenté, ou c'est la personne de votre cœur. D'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui ressort. C'est quelqu'un qui, ouais, qui est proche de vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est proche de vous, ça. Et qui... Peut-être qu'il est dans une forme de d'illusion par rapport à quelqu'un. Je vous dis, hein, on parle de... Il y a un lien, quelqu'un qui a une forte intuition, beaucoup d'imagination. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une décision d'un ami ou quelqu'un que vous aimez bien. Il va prendre une décision assez tranchante. Il y a... Il y a quelque chose, une fidélité, un attachement. Il y a, ouais, il y a, ces personnes, elles ont un problème. Elles ont quelque chose, elles ont un problème. Il y a quelque chose qui leur tire souci. Un problème, une décision, quelque chose qui ne va pas concernant une fidélité. Il y a un problème, on parle de vous aussi, donc il y a une décision qui arrive, une décision, et ça pose problème quand même, c'est quelque chose, donc je vous dis, hein, c'est soit un ami à vous qui a un problème, qui doit régler des papiers, sentimental, une décision à prendre, soit c'est la personne de votre cœur, hein, mais ça peut être aussi un problème, une décision à prendre concernant un partenaire, quelque chose qui va s'arrêter, mais il y a une décision, d'accord. Ils sont, pour moi, ces personnes ont un souci. Concernant une fidélité, ça peut être par rapport à un partenaire, une décision, hein, à prendre, quelque chose qui s'arrête après une décision. Il y a aussi, ils sont très frustrés ces gens-là dans leur vie. Hein. Ils ont une stabilité. On parle de progression. Donc pour moi, ils progressent dans le travail, mais ils ne sont pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui sont stables, qui progressent professionnellement. On parle de personnes très protecteurs ou très protectrices, autant en amitié qu'avec le partenaire. Mais ça ne va pas. Donc moi, on parle qu'ils vont prendre une décision qui contrarie au niveau de la stabilité, qui va toucher aussi la vie affective, ça pose problème, mais on va le régler. Décision, ouais, au niveau du travail,
au niveau de l'argent. On parle de personnes, ben, des personnes ouais, très attachées, très ancrées. C'est, il y a des choses très profondes. On parle de famille. Alors, on parle de la famille de cette personne. Donc, après, je vous parlais, hein, c'est pas quelqu'un aussi qui est en couple, qui a une décision à prendre, qui ça va pas. Un deuil par rapport à tout ça. J'ai l'impression vraiment que ça va pas. Mais vraiment que quand je vous dis que ça va pas, pour moi c'est vraiment ça va pas. On parle que on est très attaché aussi au niveau de la protection, vous voyez, de la famille. Vous, ça peut être au niveau du couple, la nana, voilà. On parle vraiment d'attachement, c'est ancré, très protecteur, machin. Mais ça va pas. On parle de personnes qui sont. Qui ont une vie, ben, ils sont en sécurité, ils sont stables, machin, voilà. Mais ça va pas. Pour moi, il y a des décisions. Donc là, on parle de tout ce qui est famille. Donc là, on parle de famille. Ça peut être un couple, je vous l'ai dit aussi. On se sent dans quelque chose de, au niveau du foyer. On se sent dans une situation bloquée. On se sent retardé. Ça peut être par la famille, ça peut être quelqu'un, je vous parlais aussi de couple. On peut se sentir retardé, ben, parce que, par rapport à vous, qu'on a envie, voilà, de trouver une solution. On parle aussi de... Il y a quelque chose par rapport à de la jeunesse, où il y a quelque chose avec le foyer, il y a une naïveté. On retarde... Il y a aussi, je vous dis, par rapport au foyer, il va y avoir des conversations pour avancer et débloquer cette situation. Il va y avoir, je vois quelque chose qui arrive. Il va y avoir une signature. Je vois une signature pour un logement ou une maison. Ouais, il y a une signature qui arrive. Mais il va y avoir aussi une signature pour une alliance au niveau sentimental. Il y a quelqu'un aussi qui va parler... au niveau pro... Il y a quelqu'un qui est dans le stress par rapport à des pertes d'argent. On se méfie énormément. Beaucoup de méfiance dans le travail, l'entourage, le public, le machin, le bidule. Je vois qu'on est très contrarié dans le travail. Je vois du changement professionnel aussi. D'accord ? Il y a aussi quelque chose en lien avec le foyer. Quelqu'un qui va parler dans un foyer, ça peut être de la famille, ça peut être quelqu'un en couple, je vous en parlais. Donc, une conversation dans la famille, il va avoir, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va parler de quelque chose, hein, des pertes, comme si on perdait de l'argent au niveau d'une union, un logement, une maison. Il va avoir des commérages dans la famille, et machin, et bidule. Ouais. Bon, vous, je vous vois déménager. Je vois quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui s'engage avec vous.
Et j'ai l'impression que vous allez être jalousé. Il va avoir sur vous beaucoup de négativité, si vous voulez, lors de votre déménagement et de votre engagement avec quelqu'un. Et c'est uniquement au niveau argent. Ok. Et on parle que... c'est comme si on allait être quelqu'un qui allait être vraiment plus savoir où il ou elle va. Vous voyez, par rapport à tout ça, l'argent, on va être perturbé. Il y a quelqu'un qui va être très perturbé. Et je vous dis, je vois un courrier qui va arriver. Et je vois quelqu'un vraiment qui va mal le prendre. Il y a quelqu'un qui est très très loyal, beaucoup de principes. Mais alors, il y a quelqu'un qui va vouloir régler une situation. Par rapport, ça peut être une transaction financière, ça peut être le travail, ça peut être, je parlais aussi de couple, de choses comme ça. Bon, quelqu'un qui aussi, il y a un couple où ça va pas, qui va prendre une décision et tout. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vouloir faire les choses correctement. Non, non, mais il y a quelqu'un vraiment qui va avoir vraiment des mauvaises pensées sur quelqu'un. Pourtant, qui va vouloir faire les choses propres. D'accord. Ouais. Moi, je vous vois vraiment vous engager avec quelqu'un et on va vous jalouser. Il va avoir vraiment quelqu'un qui va avoir des pensées négatives sur vous. Voilà. Ça peut être soit la famille de la personne avec qui vous allez être ou la personne qui va se séparer. Parce que là, je les vois se séparer. Parce que on parle de, pour vous, on parle d'amour qui arrive dans votre foyer. Vous voyez, d'amour dans votre foyer. On parle d'une rencontre qui va compter ou qui compte. On parle dû à cette rencontre, on parle d'union entre vous et une personne, d'accord, mais ça va pas plaire. Ok. Ouais. Pour moi, il y a par rapport à une rencontre, on parle de, il va y avoir des démarches entre vous et une personne. Il y a des papiers. Je vois un homme ou une femme qui prend une décision et je vois des papiers dus à vous deux. Un homme. Je vois un homme de cœur qui. Je vois un homme de cœur qui prend des décisions sentimentales. Quelle direction on veut prendre par rapport à vous? Un homme qui a des problèmes, qui va régler les problèmes. Pour être avec vous. D'accord? Ouais, il y a un changement dans la vie de ces hommes. Il y a un changement. Changement au niveau d'un statut par rapport à quelqu'un, au niveau. Une relation qui change. Donc voilà. Donc on parle de changement, une relation sentimentale qui va évoluer ou une nouvelle rencontre. En tout cas, je vois du changement dans la vie d'hommes et de femmes. Un changement, on va faire des papiers. Il y a un changement de domicile. Il y a un changement au niveau d'une union, des papiers entre vous et cette personne. Il y a un changement aussi professionnel. Ça va pas. Il y a aussi on parle de changement. De changement. On va voyager, on va se déplacer.
Il va y avoir des choses qui vont changer dans leur vie. Vous allez voyager avec cette personne, vous allez bouger avec cette personne. On va vouloir changer les choses dues à cette rencontre avec vous. Pour moi, il y a une décision tranchante qui va changer beaucoup de choses. On parle d'attachement, de choses ancrées. On parle d'attachement, on a envie de prendre une décision. On a envie, c'est profond, hein. On a vraiment ce truc où on réfléchit à quelque chose, qu'on doit vraiment y penser. Un attachement, on a envie de changement, on a envie de bouger, on a envie de voyager même à l'étranger. Moi, franchement, ces gens-là, je les vois beaucoup réfléchir. Malgré le fait qu'on peut être attaché à des choses, à des biens, à un travail. J'ai l'impression que ils en ont marre. Ils réfléchissent. Ils vont faire un deuil. Ils réfléchissent beaucoup. Mais pour moi, il y a un deuil. Il y a un deuil à certains attachements, à des choses bien ancrées. Où on est frustré. Ok ? Donc, on fait un deuil sur certains attachements, des choses qui, malheureusement, ne leur correspondent plus ou des choses qui ne vont plus. Donc, pour moi, on prend la décision de faire un deuil sur certaines choses et changer des choses dans sa vie. On parle vraiment de toute façon, ils ont envie de changement. Ce sont des personnes qui sont pas bien. Voilà. On est vraiment sur le truc au niveau changement, c'est du genre on a envie de voyager, de prendre la décision de voyager. On a envie de partir à l'étranger. On a envie de faire un voyage avec quelqu'un, de changer des choses au niveau d'une relation. On a envie tout simplement de changement. Ils vont prendre des décisions, ces gens-là. Ça peut être aussi un changement au niveau d'une relation avec quelqu'un qui a une origine étrangère. Un changement dans cette relation. On va faire des papiers dû soit à une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un qui est arrivé par surprise dans votre vie. On parle que dans le cœur, on n'est pas bien. Il y a aussi dans le cœur, il y a des... Il y a beaucoup de négativité, il y a de la jalousie, il y a quelqu'un qui... Je vois quelqu'un qui en ce moment doit être au niveau d'un couple dans une incertitude. Un homme ou une femme qui ne sait pas du tout où ça va mener. Il y a quelqu'un qui a de très mauvaises pensées concernant une situation financière dans un foyer. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles par rapport de toute façon à du cœur, à du sentimental. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. On parle de cœur, de nouvelles, on sent beaucoup les choses, beaucoup d'intuition concernant des sentiments. On sent aussi qu'il y a quelque chose à régler dans la vie de quelqu'un par rapport à un attachement. On parle aussi... Il y a beaucoup
d'émotion par rapport à une personne. Donc voilà. Mais pour moi, ils sont contrariés, ils ont des choses à régler, ils ont des problèmes au niveau de d'attachement, du cœur. Il y a des choses à régler, voyez. Et après, on parle de changements qui arrivent dans leur vie. Il y aura des papiers, il y a un problème, il y a des choses à régler. Pour moi, ils ont des décisions à prendre sentimentalement. Un choix. Droite, gauche, derrière. Vous voyez? Il y a des trucs à régler. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis et puis je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye!